Bonjour, bonjour! Allez, on se retrouve pour continuer notre album Dreamland de Ciao Bella dans le cadre de la boutique Scrap for Love. Donc, on continue toujours sur le même système de structure un petit peu différent de d'habitude. Alors là, il va falloir faire attention parce que Alors, il y a un rabat qui s'ouvre comme ceci. Après, ici, on a une carte. Ici, il y a la carte. Et de l'autre côté, on va mettre une décoration, un tag. Alors, toujours pareil, on commence par la page de fond. Cette fois, j'ai choisi ce petit lapin qui est à cheval sur sur le flamant rose. Là, c'est trop mignon, franchement. Oh, que c'est joli. Mais au plus je le regarde, ce papier, au plus je le trouve. C'est rigolo, c'est un peu fantastique, mais je trouve ça très joli, vraiment trop mignon. Ici, un petit stop pour y glisser la photo. Et ça, bien entendu, comme toujours, on peut directement coller ce papier-là. Puisque après, ce ne sont que des rabats juxtaposés sur les rabats de côté. Donc là, on peut tout de suite, contrairement à d'habitude, le premier papier qu'on colle, c'est celui du fond, alors que d'habitude, c'est le dernier. Et donc voilà, on fait tout à l'envers par rapport à nos habitudes. Et je trouve ça très intéressant parce que ça permet d'abord de changer un petit peu la structure et de voir un petit peu notre style, notre façon de travailler. Mais aussi, ça force un petit peu la réflexion dans le sens que ben, ça nous change un petit peu des structures habituelles, surtout moi. Alors, on va commencer par celui-là parce que c'est le plus facile, sachant que on va avoir des aimants de fermeture ici dessus. Donc, cette partie-là, comme toujours, on ne pourra pas la recouvrir de papier. Alors, on va démonter ça tranquillement, hein, pour que je ne me trompe pas, comme j'ai fait enfin, sur la page précédente. Donc là, ça, c'est pas grave. Le tag, on pourra le mettre après. Ça, c'est une carte. Et ça, c'est mon rabat. Ici. OK. Alors, donc, la petite bande en haut. La petite bande en bas. Et ici dessus, le papier complet, comme ceci. On fera la carte après. Pour l'instant, on fait le rabat. Alors, 13,5 sur 22. Et sur le côté 13,5, on plie à 11 et à 11,5. Petit gousset d'un demi-centimètre, comme toujours. 13,5, 22, 11, 11,5. Et ça, vu que ça fait 22, on ne se casse pas la tête. Il n'y a pas de repère à mettre. On peut tout de suite le mettre en place. On le glisse à l'intérieur de notre enveloppe le long de la première pliure du petit gousset de 5 mm. Et on le colle, on le met en place. Voilà, ça bougera plus. Donc ici, il faut d'abord et avant tout coller nos petites bordures puisque ici nous avons. Alors là, si je commence à tout démonter, ça me fait peur chaque fois de tout démonter parce que après j'espère que je m'en rappelle. Donc là, on utilise la collection 15-15. Vous voyez ça aussi, la structure comme ça, c'est très intéressant pour utiliser les 15-15. Souvent, c'est petit, on ne sait pas trop où les mettre. Là, dans des albums comme ça, il faut jouer là-dessus. Et chaque fois qu'on a un petit rabat qui se fait, une carte qui sort comme ça, 15-15. Donc, 15-4 sur 15-4, il n'y a pas de languette puisqu'on va le coller directement sur notre rabat. 15-4 sur 15-4. Et ça, on va venir le coller comme ceci, ras du premier pli et au milieu, en haut et en bas. Ça va venir se coller comme ceci. Et vous savez qu'avant de coller, il faut mettre les parties qu'on cache après. Enfin, qu'on cache. Je ne sais pas comment expliquer. Disons, les petites parties à cacher, justement, c'est par là qu'on commence. Pour coller toujours par-dessus. Pour qu'il n'y ait pas justement
les petits millimètres qu'on laisse tout autour du papier. Là, on ne les laisse pas sur le côté de la carte, puisque c'est la carte qui va nous faire nos petits espaces, qui déterminera nos petits espaces. Voilà, c'est ici qu'on va coller. Notre carte comme ceci. Et là, bien entendu, on va avoir un bout qui dépasse aussi, donc on va le recouvrir. On va mettre notre petit papier avant de coller notre carte pour que justement notre papier glisse dessous. Voyez, les petites 15-15, elles ont toutes les découpes comme ça derrière. Moi, je ne l'ai pas du tout utilisé, ça. Je n'ai utilisé que les papiers de fond. Et pour ce genre de structure, c'est plus facile. Voilà. Donc ici, on va coller là et on aura notre partie recouverte ici. Alors, on se lance, on se lance. Allez, on y va. Là. Faut pas hésiter parce que si on hésite, on n'y arrive pas. Alors, on aligne sur notre, on profite de notre, eh bien, le tapis de découpe là, on suit bien notre pliure et là on est droit, voilà. C'est parfait. Donc ici, on peut coller ceci parce que c'est pas là qu'il y a les aimants. Me fait douter. Non, c'est pas là. C'est l'autre côté qui va venir fermer. Donc là, on peut sans problème coller nos papiers. Ça en fait moins sur le bureau. Au moins, on s'y retrouve. Alors, ça. De ce côté-là, c'est terminé. Ça, c'est pour mettre dessus ici. On le mettra après. Et après, il y a la décoration. OK. Alors, maintenant, ce côté. Eh bien. Alors, comment on va commencer? On va commencer par celui de dessous. Et ça, c'est aligné. Ce sera plus facile après. Donc, ici, un petit rabat, toujours pareil. Et là. Et là, et là, et là, comme ça. Ça va être collé comme ceci. Donc là, il faudra mettre le papier. Alors, on commence par le petit rabat. C'est pas là qu'il y a les aimants. Donc, on va pouvoir tout coller. Donc, ça, c'est dessous. Non, c'est dessus. Ça, c'est dessous. Je ne fasse pas la même bêtise que tout à l'heure. Alors, ici, 13,5, 22, c'est le même, hein. 13,5, 22. Sur le côté 13,5, on plie à 11, on plie à 11,5. Petit gousset, demi-centimètre, 13,5, 11, 11,5, 22. C'est le même que de l'autre côté. Donc, on y va gaiement. Puisque ici aussi, on n'a pas besoin de mettre de repère. C'est la même hauteur. Donc, on ne se gêne pas pour le coller de suite et le mettre en place. Comme ça, on n'y revient plus. Et donc ici, on met ceci et ceci dessus. Voilà, c'est comme ça. Alors ici, on met notre papier en place. Et on peut même mettre l'autre côté également.
Voilà. Alors, ici, on va mettre une carte à l'intérieur comme ceci. Donc là, elle est... Que je vous dise. J'ai mis le scotch à 5 cm. Donc, de ce côté, le papier, 5 cm. Et de ce côté, le scotch. Donc là, il y a 5 cm. Donc, on colle notre... Ah oui, mais si je ne vous dis pas combien elle fait. Donc, c'est 10 sur 14. 10 sur 14, c'est la dimension de la petite carte. Hein. 10 sur 14. Et à l'envers, ici, on compte 5 cm à recouvrir de papier. Donc, on prend des chutes. Et finalement, on économise drôlement du papier. Et j'ai pris évidemment le même papier que dessus. Pour que ça fasse assorti. Et donc ici, eh ben alors là, il va falloir évidemment faire nos petits repères. D'ailleurs, il y en a là et je vais les enlever. Voilà. Donc, alors, mesurons. Il faut que ça soit comme ça. Donc, pour que je le vois bien. Parce que, oh, quoi que non. Non. Non, non. Je vais tracer directement dessus. Alors, ici, il me faut le milieu. Donc, nous avons 22. Toujours pareil. Ici, on a 14. On met à 7. Et après, il faut que ce soit droit. Donc, on se sert de notre tapis de coupe. Et on se lance. Il y a toujours un petit moment de pression. Alors, les petits repères en face. Je vais la poser pour la mettre bien... Aïe. Pour la mettre bien droite. Et voilà. Nickel. Et là, on n'a plus qu'à coller notre carte. Là, ce sera terminé. Alors là, on a une carte qui fait 10-14. On peut mettre une photo 9-13. Vous savez qu'on a aussi cette mesure 9-13. Si vous voulez coller la photo 9-13 ici, elle y va parfaitement. Voilà. Vous voyez qu'on peut toujours jouer sur d'autres formats. Pour toujours rajouter des photos. Alors, c'est là que les Athéniens s'atteignent. J'ai pas intérêt à me tromper parce que ça, c'est là. C'est comme ça. Et les aimants, ils sont là. Donc, on va pouvoir coller tout le dessus parce que là, il y a beaucoup de choses. Oh là 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 là. Donc, dessus, il y a ça et il y a ça de chaque côté. Bon, arranger qu'il y ait la mesure là, et bien la mesure, elle n'est pas là. Ça ne va pas m'arranger du tout, cette histoire. Allez, on va y arriver. Et ça, ça va comme ça. Donc, les aimants, ils sont ici parce que je vais coller ma carte comme ceci. Ah ben, il n'y a même pas de mesure du tout. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas se tromper. Oh là là, mon Dieu. Alors, c'est plié à 8. Et ça fait 23. Ah. Et oui, parce qu'il y a une 15-4 là encore. 23-3.
Alors, 23,3 et on plie à 8 parce qu'il nous reste 15,4. Hein? Ici, on a 15,4. Donc ici, on a 15,4. Ça, c'est même pas la peine que je mesure puisque j'ai utilisé là aussi les collections 15-15. Donc, 23,3 sur 15,4. Alors, soit vous pliez à 8, soit vous pliez à 15,4. Hein, ça, c'est à vous de choisir. Pliez à 15,4, comme ça, s'il reste 7,8, c'est moins grave. Donc, faites 15,4, puisque c'est le papier 15-15. Faites 15,4, comme ça, vous êtes sûr d'avoir la bonne mesure. Ici, s'il n'y a que 7,9, c'est moins grave, c'est du papier. Donc ça, on va le coller ici, c'est-à-dire contre notre rabat ici, le grand rabat, le premier qu'on a collé. Et on va le centrer en laissant la... Il faut laisser cette partie-là. Il faut que ça se voit, que ça fasse un décroché. Vous le collez sur le papier. Sur le papier, pas sur la base. Et comme ça, vous avez ici votre petit bord. Donc, on met du scotch sur la partie de 8 cm qui est pliée ici. Et c'est ça qu'on va coller à sa place. Du moins, on va essayer. Pour le faire correctement, on le centre bien en haut et en bas. On le met bien droit. J'ai peur. Ah, je ne suis pas tranquille, hein, celle-là de structure, croyez-moi. Hein. Et oui, si j'appuie en bas et que c'est le haut, ça ne va pas le faire. Bon, là, je suis bien. Hop, je colle. Allez, on enlève tout le reste. Et on va pouvoir coller nos papiers et nos aimants. Donc ici c'est fait, on colle tout de suite le papier pour pas se tromper. Donc ah oui, là par contre comme j'ai collé ma carte, là, fait mon rabat, je ne sais pas comment il faut appeler ça, bref, ça, cette partie-là, je l'ai collé le long de mon papier qu'il y a ici. Donc, celui-ci, je ne laisse pas mon espace. Je le colle bien au bord. Comme ça, j'ai l'espace ici de ma page de base, de mon rabat ici. J'espère que je suis claire parce que... Moi, je le comprends bien dans ma tête. Puis, des fois, on n'explique pas bien. Voilà, donc ma carte ici, je l'ai collée le long de mon papier fantaisie qu'il y a ici dessous. J'ai donc laissé mes 2 mm ici, sur la partie là. Et donc mon papier ici que je recouvre, je ne le décale pas encore de 2 mm. Sinon ici, ça va faire 4 mm, ça ne sera pas joli. Donc je le colle ras de mon carton, ras de ma carte celle-ci. Et je le coupe en conséquence, bien entendu. Hein? Voilà. Donc là, on va pouvoir coller ce qu'il y a ici. Comme ça, ça sera fait. Donc ici, j'ai utilisé une carte donc, de la collection. Qui est forcément plus petite que mes 15,4 là. Et donc, je mets deux petites chutes de papier de chaque côté. Pour combler le vide. Et ici, je vais coller ma carte comme ceci. Donc, je vais d'abord coller mon papier pour pas que ça se promène ou que ça tombe par terre comme il a l'habitude de faire. Donc, c'est 11-16, hein, vous le savez, les cartes, je les coupe toujours de la même dimension,
Donc ici, je fais toucher, puisque c'est dessous et que c'est le même papier. Et c'est ma carte de dessus qui va venir cacher mon petit rajout. Ça ne se verra pas, puisque là, elle va tomber en plein dessus. Voilà. Et on joue sur les contrastes de couleurs pour faire justement ressortir la carte. Voilà. Donc ça, ça se colle ici. Ça va dépasser très légèrement en haut et en bas. Donc vous centrez bien pour que ce soit bien au milieu. Donc là... Ah bah tiens, quelle est... Oups. Je suis allée me compliquer la vie. J'ai mis les scotch ici et les scotch ici. Vous ne pouvez pas tout mettre là, ça... c'est plus simple. Enfin, bon, c'est pas grave. Allez. Comment j'ai calculé ça, je ne sais rien. C'est pas grave, on y arrive quand même. Voilà. Donc là, c'est fait. On enlève les côtés. On enlève le bas et on colle notre carte à sa place qui va se retrouver bien au milieu. Alors, donc, c'est ici qu'il y a les aimants. On va pouvoir les mettre en place pour fermer notre page. Donc, on va chercher notre petit scotch, nos ciseaux. Les aimants, ils y sont déjà. On n'a plus qu'à les mettre sur notre scotch. On ferme délicatement, sachant qu'on a nos goussets, n'est-ce pas? Et quand c'est bien en place, on peut coller nos aimants. Et maintenant, on n'a plus qu'à terminer. Donc ici, on a cette partie-là à mettre. On n'oublie pas, n'est-ce pas, les protections des aimants derrière. On essaye de ne pas les oublier, parce que ça arrive, n'est-ce pas? Mais ça, c'est votre faute, hein, parce que quand vous le voyez, je ne vous entends pas assez, vous ne parlez pas assez fort. Voilà. Alors là, c'est vrai que ça dépasse un petit peu de quelques millimètres. Perso, ça ne me gêne pas. Si vraiment ça vous embête, vous mettez, ben alors vraiment... juste un morceau de papier mini, 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 mini pour mettre là. Moi, ça ne me gêne pas. C'est un emplacement photo. Il va y avoir la photo derrière. C'est pas bien, bien, bien gênant. Hein. On peut la mettre dans les deux sens d'ailleurs. Alors, ici, il nous reste cette partie-là à coller. Oui, c'est dans ce sens. Maintenant que nos aimants sont collés, on peut les recouvrir. Et ici, on va faire une décoration pour notre petit rabat qui dépasse là. J'en ai fait un petit peu. Si je vois qu'il manque, il me reste quelques images, je pourrais après. Voilà, j'avais envie de faire ça. Parce que là, je vois que mon papier, il n'est pas coupé droit hein, aussi. Hein. C'est bizarre parce que les papiers, là, il est bien droit et là, ça ne va pas du tout. Hein. Bon, à revoir, hein, Michel. Là, il va falloir faire quelque chose. Hein. Donc ici, ben, j'ai mis du scotch partout. Comme c'est un bout de récupération, j'ai même du scotch rouge dessus parce que j'avais prévu une pochette qui ne me plaisait pas. Je ne m'en suis pas servi. Du coup, je m'en sers pour mater mes tags. On récupère tout. Bon, là, on le met au milieu. Et droit si possible, et ça nous fait une décoration supplémentaire. Donc là, il faut que je vois ce qui se passe ici, pourquoi ça fait ça, mais c'est pas grave, on rattrapera ça.
Alors, donc ici, emplacement photo. Ici, emplacement photo. Ici, ça s'ouvre. On peut mettre une photo ici ou carrément comme ça si vous voulez garder l'image. Et comme ceci ou comme cela. Ça, c'est à vous de voir. 1, 2, 3, 4 photos encore. Hein. On est toujours entre 6 et 4 photos. Voilà. Notre page numéro 5 est terminée. Il n'y a que cette espèce de truc là qui m'agace là. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Parce que mon papier, il est bien ici, il est bien ici, il est bien ici. Pourquoi là ça fait ça? Ça ne me convient pas ça. Donc je pense que je vais le décoller et le remettre autrement. Ça ne me plaît pas parce que là on voit que ça. Hein. Juste à cet endroit-là. Enfin, bref, on va arranger ça, c'est pas grave. Ça, c'est les petits aléas de quand on coupe les papiers et qu'on les colle pas de suite. Hein. Donc, ici, vous avez la page numéro 5 qui est terminée, qui s'ouvre. Vous voyez, ici, on a déjà un premier. Ici aussi, on peut mettre une photo si on veut. Hein. Il y a la place, hein, puisque c'est fermé comme ça, ça ne se voit pas. Donc, là, vous pouvez en rajouter une encore, hein, de photos. Donc, il n'y a pas de souci. On va juste rafistoler ce petit truc qui me gêne beaucoup. Je vois que ça. Hein? Je vois que ça. Ah, mais c'est pas grave. Allez, la page numéro 5, elle est terminée. On va s'atteler au verso, à la page numéro 6. Donc, voilà. J'espère que tout ça, ça vous contrarie pas trop, ces changements de structure. J'espère que ça vous plaît et que vous allez apprécier le changement un petit peu de toutes des structures habituelles. Et vous me direz ce que vous en pensez. Hein? Allez, merci beaucoup. Bonne journée, à très vite.